Eh bien salut tout le monde, c'est Sapeu. On se retrouve sur la chaîne Sapeu2 pour une petite vidéo avancement avec Celsius. Donc je vais pas montrer les stuffs, ça j'avais déjà dit. Mais bon, de toute façon les stuffs c'est facile à montrer, mais je vais pas montrer mon inventaire et tout pour ne rien dévoiler. Mais bon, bah, je vais quand même vous montrer un petit peu le roff, ce que ça donne. Donc c'est une panoplie multi-éléments parce que de toute manière tout le monde sait ce que c'est, mais je vais pas montrer les jets et tout. Donc là il me manque un PM parce que je suis en cherchant Gora, mais sinon je mets la Dragonnade quoi. Elle me fait gagner un PO en plus, mais là j'ai envie de faire mon Kikupuch. Donc bon, voilà. Donc ça fait plutôt mal le mode, ce mode multi-élément. Là on voit. J'ai pas de bonbons ou quoi que ce soit, mais bon. Ça fait très mal là, aucun boost. Enfin, de toute façon, on se rien sera, mais y a pas beaucoup de boost à faire, mais j'ai fait un tour à 1500 quoi. Le réseau de pièges à faire en un tour, qu'est-ce qu'il donne sur du 0%? Je rappelle, c'est l'officiel, hein, c'est pas la bêta test là. Il donne du 1657 en un tour, donc ça c'est le réseau de pièges qu'on fait souvent pour se régénérer et pour faire des bons dégâts quand même. Sinon, en un tour, ce qu'on peut faire aussi. Alors, il aura peut-être. Non, il aura pas assez de vitalité, mais je vais pas faire de concentration de chakra. Vous pouvez faire ça. Avec 12 PA, bien sûr. Voilà, vous avez 4 pièges posés. Et ça, bah regardez, on va. Sans concentration de chakra, regardez ce que ça tape. 1400. Oui, c'est ça. 1400 dégâts. Et ouais, c'est plutôt violent. On a ensuite tous les sorts spéciaux. Mais je vais faire un autre putsch quand même pour montrer. Pas de crit. Donc je suis une chance sur de haul. Si je ne m'abuse. Même. Enfin non, pas au cac parce que le Glorson est une chance sur 55. Mais je peux faire pulsion de chakra et je crois que j'ai une chance sur deux. Mais au pire, enfin j'ai pas encore boosté tous les sorts. Il va me manquer un petit peu. Mais ça ne saurait trop tarder. Regardez. Qu'est-ce qu'il me reste en sort? Il me reste pas des masses, je crois. Alors, ça c'est level 6, c'est bon. Et alors, il me reste la Kawotte, la Poisse. C'est vrai que Poisse, c'est pas des sorts qui vont être les plus intéressants au monde, mais ça, faut quand même les booster, quoi. Poisse, Kawotte, Schaffer, Arachne. Peut-être pas l'Arachne, je sais pas. Piège filance, en revanche, il faudra booster. Poison insidieux également. Piège empoisonné aussi. Pulsion de chakra aussi. Donc, ouais, ça fait un peu de sort, libération, foudrement. Donc ça va me faire quand même pas mal de pare-chocs de sorts pour des petits sorts à la con, mais bon, il y en aura besoin, je pense. Donc alors, un petit pouce, j'ai juste une vidéo rapide, hein, histoire de faire un petit coucou aussi sur la chaîne Sapeu 2, parce que ça faisait au moins 10 jours, je crois peut-être, enfin peut-être une semaine ou deux que j'avais pas fait de vidéo, en gros. Donc ouais, un petit coucou quand même. Donc on va regarder avec pulsion de chakra qui n'est même pas dans ma barre de sorts, si je ne m'abuse. Hop, 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 on va mettre tout ça. Ah si, il est là. Alors ça rajoute 5 coups critiques, il est level 1 mon sort. Alors est-ce que je suis une chance sur deux au cac maintenant? Faut que je mette mon cac dans la barre des sorts pour voir tout ça vite fait. Je suis. Putain, ça bug un peu. Oui, je suis une chance sur deux avec. Voilà, donc là je suis une chance sur deux. Donc ça fait 888, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Avec l'épée Glorson, on va faire un petit peu de boost. Avec fourvoiement, on va regarder si on peut taper. Est-ce qu'on peut taper un peu 408, c'est assez aléatoire quand même. 400 à 939. Le G max c'est plus du double que le G minimal quoi. Un crit à 866, je bug un peu, excusez-moi. Donc oui, c'est vraiment sympathique quand même. C'est le mode le plus basique sur quasiment toutes les classes. Et tout, mais bon, c'est vraiment violent. Hein. M673, ah, j'ai pas activé les animations de sort. Bon, j'espère que ça vous dérangera pas trop. On est entre nous sur Sapeu 2, ça, bon, ça va. Elle est arnaque aussi. Donc on est bien multi-éléments, on peut taper avec tout. Poison insidieux level 1, je peux vous montrer aussi. Ah, il est où? Il est là. C'est du level 1 et ça fait quand même mal. Hein. Ah merde. 105, level 1. Et jusqu'à 160 en crit. Oui, c'est vraiment pas mal du tout. Hein. Piège de silence, on va regarder un peu aussi. Qui est level 1 également. En même temps, on va regarder sournoiserie, mais. 299 quoi. C'est violent. Alors, piège de silence level 1, combien ça tape? 158. Donc, oui, parce que ça, quand même, les dégâts sont bien plus faibles au level 1 qu'au level 6. Il reste donc le marteau de Moon. Là, j'ai pas les boosts vraiment, non. Et bon, en perfide. Donc voilà, je vous montre un peu tout, hein, mais c'est vraiment, vraiment
Regardez même le point qu'a fait J.O. J.O. Il tape 400. C'est violent. C'est violent, violent. Alors il reste quoi comme sort? Foudroiement, qui est level 1. Sinon je crois que je vous aurais quasiment tout montré. 306, c'est le niveau 1. Ah oui, le Doppelsram. Alors le Doppelsram, franchement, je sais pas s'il fait à part sournoiserie, mais je crois qu'il fait vraiment que ça. Je sais pas, il a quoi comme autre sort celui-là? Je sais vraiment, mais vraiment pas ce qu'il a. Il fait toujours ça. Oula, il y a beaucoup d'MP là, désolé, mais. Alors, coup sournois aussi, je crois pas que j'avais montré. 450. 500 avec repérage. Après, ça dépend vraiment des crits, mais vous voyez, 500 là pour 3 PA. Enfin, c'est vraiment violent. C'est le mode le plus cheaté, vu qu'on a des bonnes res et tout. Mais bon, bref, voilà, le Doppelstram, franchement, je sais même pas il fait quel autre sort que ça, parce que franchement. Il fait toujours ça. Marteau de Moon. 453. Alors, est-ce qu'il va faire un autre sort vu qu'il est. Ah non, il a encore la PO donc il fait que ça. Je sais pas. Franchement, dites-moi. Qu'est-ce qu'il. Peut-être qu'il fait un poison. Non, je pense vraiment pas. Il fait pas de sort qui pousse et tout, à mon avis. Parce que sinon, ça pourrait foirer un petit peu les pièges et tout. Donc, je pense pas. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Franchement, il met pas de piège. Il met pas de boost, je sais vraiment, vraiment pas. Je sais pas à quoi il fait peut-être arnaque, s'il y a moins de résistance. Mais c'est bon, c'est pas le meilleur Doppel du monde, hein. SRAM c'est carrément pas. Enfin franchement c'est limite un désavantage quand vous jouez en réseau de pièges, ce qui peut peut-être aller dans vos pièges, ce qui serait un petit peu dramatique. Enfin bref, voilà pour l'avancement. Je suis appelé encore ça l'avancement je pense. Cette fois-ci il y aura eu un petit putsch pour tester. Bon, maintenant l'avancement, je vais peut-être vous montrer. Bah, vu que maintenant il n'y a plus le level 200, je vais vous montrer un petit peu les autres avancements à faire. Donc en ce moment, je suis dans la Tofus de glace, pardon, j'ai un petit peu de mal. Donc j'ai les deux premières étapes de valider, c'est vraiment celles qui sont simples. Donc dans la mer des nids, Frigost, l'une n'est pas comme les autres, c'est assez simple à faire, ça je crois. Développement durable, c'est ultra relou, c'est un des trucs, un des pires trucs, je crois. Et au fond du trou, c'est simple, je crois qu'il me semble que c'est que le donjon Sakai qu'il faut faire, donc c'est pas trop dur. Ensuite. Ensuite, il y a ces deux étapes-là, l'hiver arrive et l'âme de glace, qui à mon avis c'est assez long et tout. Mais bon, bah, ça va se faire avec le temps. Hein. J'ai commencé il y a 3-4 jours et j'ai quand même pas mal avancé. Enfin voilà, à mon rythme, hein, mais c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Après level 200, bah, je fais le Dofus des glaces. Je montrerai les stuffs pour tous ceux qui ont peut-être un petit peu pas être contents parce que je monte pas les stuffs et tout. Mais je montrerai, hein, ou alors faudrait que je mette tout en objet pour montrer un petit peu le reste. On verra comment ça se passe. Il y aura d'autres vidéos avancement avec Selclus pour montrer un petit peu l'avancement niveau parchemin de sort et tout. Il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas de toute manière. Et bien voilà pour cette petite vidéo sur Staple 2. N'hésitez pas à laisser un pouce vert comme d'habitude et YOLO Swag comme on dit dans le jargon.